Messieurs, je vais vous lire une citation. De qui et de quoi s'agit-il ? Ah. Je serai supporter, pas acteur. Je vais regarder tous les matchs. Je vais souhaiter le meilleur à cette équipe de France et j'espère qu'ils vont nous ramener la médaille d'or. Vous pouvez répéter la question ? Je serai supporter, pas acteur. Je vais regarder tous les matchs. Je vais souhaiter le meilleur à cette équipe de France et j'espère qu'ils vont nous ramener la médaille d'or. Ah, c'est pas Wembanyama ? Non, je plaisante. Wembanyama ? Pour l'équipe de basket, non de... Non, lui, il joue. Il joue, c'est bon ? Donc, c'est pas Karim Benzema. Je répéterai Karim Benzema parce qu'en fait, on l'a oublié en 9 mois. C'est pour ça que, quelque part... Karim Benzema, c'est qui déjà ? Ah, le joueur de foot ! Ouais, t'es pas mauvais. Alors, pronostic. Qui était à ce point attendu, pressenti et qui a décliné ? Et pour quelle raison ? Vous voulez un indice ? Quel sport ? Dans le foot ? Est-ce que vous voulez un indice ? Oui. C'est très vaste. Hein. Je peux appeler un ami ? Oui. Allô ? Un indice, c'est quoi ? Un indice. Il est dans la tourmente. Vous voyez pas ? Oh, dis donc, c'est je vous trouve absolument médiocre. Mais on ne lit ni Gala ni Voici, c'est peut-être la raison pour laquelle on n'est pas au courant. Non. Mais c'est dingue, ça. Un fouteux dans la tourmente. Mbappé annoncé cette semaine en conférence de presse, on l'a vu absolument sur tous les terrains. Non, mais c'est absolument. Non, mais oui. On l'a vu sur alors, tous les terrains. Franchement, mais c'était un secret juste... de polichinelle, Pierre. On a juste oublié cette séquence. Pour les JO ? Ouais. Mais c'était une évidence. On l'avait dit à l'année dernière. Non, mais c'était une évidence. Là, il l'a formalisé. Ah ouais, mais on l'avait dit. Ça fait 6 mois. Alors, ici, sur ce plateau, je m'inscris en faux. Ça fait 6 mois que le Real de Madrid avait déjà dit qu'il arrive, il irait pas aux JO. Et que Madame Castera, Kylian sera présent et on aura le liner avec lui. Et je me rappelle très très bien. Emmanuel Macron s'est mobilisé. Oui, et on l'a dit ici, il rêve en couleur, puisque de toute façon, si Florentino Pérez a dit « Il n'y aura pas de Juegos Olympicos, il n'y a pas de Juegos Olympicos. » Et là, il n'y a pas de Juegos Olympicos. Non, mais sérieux, franchement. Même on n'est pas sérieux. Moi, je pensais à un scoop. Franchement, j'ai cru à lui. Quelque chose qui allait bouleverser le l'arbitre sportif. Nous n'avons plus le droit de critiquer maintenant l'arbitrage, mais là, j'aimais. Bon, aujourd'hui c'est moi, demain ce sera Mickaël la prochaine fois. Mais là, j'ai mis une réserve. Franchement, j'ai cru que vous étiez bloqué, nous coincé. Bon, qui seront les trois joueurs de plus de 23 ans qui auront la Lacazette. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. En fait, aucun des joueurs vont vraiment être libéré ou libérable. Celui qui a le plus grand mal de tête en ce moment... C'est Thierry Henry, l'entraîneur de l'équipe olympique. Qui lui aussi s'est prononcé en faveur d'un vote utile et en tout cas un vote contre les extrêmes. Oui, effectivement. Mais pour revenir à sa petite blague, elle était sympathique, c'est qu'à un moment donné, il a dit que depuis qu'il est adolescent, il n'avait pas pris autant de râteaux avec tous les présidents de clubs et les ligues et les fédés qui lui ont dit « Non, mais tu ne pourras pas prendre tel et tel joueur. » Donc quelque part, en fait, avec son équipe A, là, il doit être à l'équipe E et je pense qu'il doit y avoir peut-être une personne en commun entre le c'est centre aéré en fait. C'est l'équipe de centre aéré là. C'est-à-dire que là, on peut même plus faire une équipe olympique. Enfin, une équipe. Non, mais ce qui est fou, c'est que normalement, compétitive. Quand on est la force invitante, il aurait dû y avoir un poids, peut-être ministériel, qui aurait dû asseoir un minimum sur cette équipe olympique et qui aurait dû garantir pas simplement Lacazette, mais enfin des joueurs cadres qui auraient pu tenir cette équipe. Question. Mais, encore une fois, l'argent compte plus que l'olympisme. Question, nous avons déjà gagné les Jeux Olympiques. Oui, 1984. 84. Et qui était l'entraîneur ? Henri Michel. Avec un but solaire, je me rappelle, à la fin. Si ma mémoire est bonne. Un but de l'athlète de solaire. Henri Michel, vous êtes formel. Solaire, c'était avant. Ouais, Henri Michel. Formel. Oui, si, je crois. Oui. Oui. Il reprend le relais de... Et qui était le gardien ? De Didalgo. Rust. Je crois pas. Bergerot, je pense. Bergerot. Là, il y a un pari à 12 000. Alors à suivre. C'était magnifique ce match. À suivre.